Le prochain défi va vous demander de sauter avec une voiture de sport et parcourir 70 mètres avant d'atterrir. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Renkless Railway. Donc juste ici sur le gameplay, hop, juste ici. À cet emplacement-là, vous allez voir qu'il y a énormément de whiplash, donc de voitures de sport. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement en prendre une. Et là, ce que je vous conseille pour réaliser le défi facilement, c'est de vous rendre dans les montagnes enneigées. Parce que justement, c'est là où il y a les plus grandes montagnes où vous allez pouvoir sauter d'une très grande distance, enfin d'une hauteur très très grande. Donc, par exemple, ici tout en haut, il y a un grand pic, le plus grand pic de la montagne. Bah, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller me rendre à cet emplacement-là et je vais mettre du boost pour sauter du haut de cette montagne. Et logiquement, je vais pouvoir valider le défi du premier coup. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors là, j'ai rencontré un petit souci parce que on m'a cassé un pneu, donc la roue d'arrière elle est cassée, mais normalement ça devrait le faire. Donc là je suis tout en haut de la montagne, je mets le boost au maximum, ok, ça fonctionne pas. On va essayer de monter un peu plus sur le côté, hein, comme ceci. On met du boost et on va voir si ça fonctionne. Alors je sais pas si on peut prendre le tremplin, mais ce serait fou. Ouais, on peut pas, donc c'est pas grave. On va sauter sur le côté, donc on va reculer, on va prendre un petit peu d'élan et on va sauter sur le côté. Tout en mettant toujours du boost. Hein. Comme ça, quand vous mettez le boost, bah là, vous allez pouvoir voyager plus loin sur la distance. Et regardez, là, j'ai réussi le défi du premier coup. Donc, dès que vous aurez réussi à voyager sur 70 mètres de distance avant d'atterrir avec un véhicule de sport, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.